moyen et sous-régional dans l'architecture événementielle, SFM Bâche vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, tribunes, abris classiques, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour, Ferronnerie. Contact 22 47 12 96 07 07 47 37. SFM Bâche, votre événement, notre engagement. Bonjour mon ami, pardon, faut t'abonner, pardon. Si tu te caches trop pour me regarder, faut t'abonner, pardon. S'il te plaît, faut t'abonner, hein. Abonne-toi, active la cloche de notification. Yo la famille, comment vous allez? Je sais que vous allez bien. Voilà, petite réaction rapide. C'est ce que je viens de voir sur les réseaux sociaux concernant Didier Arafat et Didier Moasco. Franchement, c'est déplorable, mais bon, je peux pas en vouloir un truc Didier Arafat et puis Didier Moasco aussi. Franchement, la scène m'a fait un peu pitié. Et puis franchement, ce que Didier Arafat a dit, c'est pas faux aussi, hein. Voilà, Didier Arafat était vraiment amoureux du talent de Didier Moasco et il a tout fait pour que le petit vienne dans son écurie. Mais comme la vie est un choix, le petit a préféré partir chez Didier Kedjevara, qui est un très grand artiste aussi, coupé décalé. C'est un bon choix, mais le mal, l'erreur que le petit Didier Moasco a fait à Didier Arafat, c'est de l'attaquer par vidéo interposée, et c'est souvent par poste. Ce que Didier Arafat a gardé et n'a pas branché. Vous voyez un peu, moi je suis un peu triste de cette situation-là, mais quelque part, il faut comprendre Didier Arafat. Si vous avez bien remarqué, chaque fois que Didier Moasco faisait ses vidéos ou bien faisait ses posts, il n'a jamais réagi. C'est-à-dire qu'il a tellement emmagasiné dans son cœur que cette occasion s'est présentée et puis il a, comme on dit, chié pour le petit, quoi. Franchement, c'était lui foutre la honte même. Franchement. On sentait de la colère dans la voix de Didier Arafat, on sentait dans la chose de la colère dans l'expression du visage de Didier Arafat, dans sa gestuelle et tout ça. Et il faut comprendre, c'est-à-dire quand tu portes un petit dans ton cœur et puis tu vois que ce petit-là pense qu'il est arrivé, Ça fait mal. Et effectivement, si on veut regarder les choses, Didier Moasco est franchement cassé musicalement. Il était très très bien parti comme Ariel Chiné et tout. Il avait même dévancé Ariel Chiné parce qu'il a, on va dire, il a commencé à percer même ses sons, commencé à cartonner avant les sons d'Ariel Chiné. Mais aujourd'hui, Ariel Chiné, il a joué la bonne carte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas en de bons termes avec Didier Arafat, mais le petit, il mène sa carrière musicale tranquille. Parce que, quels que soient les pics que Didier Arafat lui a envoyés, quelles que soient les vidéos ou les messages que Didier Arafat lui a envoyés, il est resté toujours dans la politesse du genre, il est toujours reconnaissant de ce que Didier Arafat lui a fait. Donc, sans même que Didier Arafat ne le sache, Didier Arafat le bénissait en fait. C'est pourquoi sa carrière jusque-là est au beau-fils. Mais c'est malheureux pour Didier Moasco, franchement. Normalement, si MC1 avec Kedjevara fait le boom, perce, comme on dit, mousse dans le langage ivoirien, pourquoi pas toi, Didier Moasco, qui a moussé même avant d'aller signer ce truc que Kedjevara. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Donc, n'en voulez pas à Didier Arafat. Moi, tout ce que je peux dire dans cette vidéo-là, Didier Moasco, tu es le petit frère. Hein? Voilà. C'est vrai que Didier Arafat a pris le micro pour dire publiquement qu'il ne faut plus le bougnant. Mais moi, je vais te demander un truc. Voilà. Et ça, c'est du bon conseil. Quand tu veux vraiment la paix d'un mouvement, là, c'est le genre de conseil que tu dois donner. Et je veux que tu exécutes ce conseil-là. Je ne suis rien. Moi, je ne suis pas une grande star. Je ne suis pas un grand quelqu'un dans le showbiz. Je donne juste mes avis sur des vidéos et tout ça. Sur vos vies et tout. Tu comprends un peu? Tu connais chez Didier Arafat. Ton boss, Kedjevara, connaît Didier Arafat. Voilà, créer une médiation pour régler ça. Parce que ce n'est pas intéressant. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de voir ça dans le coupé décalé. Va et excuse-toi. Parce qu'il a bel et bien raison sur toute la ligne. Tu as tellement fait des vidéos pour t'attacher, pour l'attaquer, pour l'indexer, franchement, il en avait marre, c'est pourquoi il t'a humilié comme ça publiquement, franchement, voilà, donc, faut pas lui en vouloir, mets-toi dans la place de petit frère, excuse-toi, et la vie continue, voilà, c'était mon message du jour, partagez ce message si vous a plu, et puis dites-moi ce que, il a un gros talent, et son talent est intarissable, il suffit simplement de reconnaître son tort, s'excuser, et il va voir sa carrière relancée, que Dieu vous bénisse, ciao les amis.